Eh bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous m'entendez bien, j'espère que vous me recevez bien. Je suis Franck Payen, je vais être avec vous pendant une heure et demie, je pense, avec Monsieur Nicolas Hurnage. Bonjour Nicolas. Hello. Ça va? Bah ouais, toi? Ouais, très bien, très Attends. Bien. Oula, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est Bob qui se met en marche? Ouais, c'est ça, c'est Bob qui fait des siennes de son côté. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas encore parce qu'ils n'étaient pas attentifs sur la chaîne YouTube Adobe France, on t'a reçu il y a quelques temps pour parler justement de tes workflows de création, d'édition, pour regarder comment tu faisais des montages sur les clips, etc. Si tu devais en trois mots, deux, trois mots, te présenter, est-ce que tu saurais le faire sans image? Je te challenge. Deux, trois mois, c'est compliqué. Je sais pas, je dirais déjà producteur, parce Ouais. que enfin, je suis pas juste réalisateur, je fais beaucoup d'autres choses aussi. HUD, parce que j'adore tout ça, j'adore vraiment tout cet univers graphique avec tous les graphismes, les hologrammes, comme ça, etc. Et c'est un mot composé, mais on pourrait dire, c'est pas science-fiction. Très bien. Moi, j'aurais jamais dû te limiter à trois mots parce que du coup, ça trouble et tout. J'ai bien senti que ça ressemblait à un piège. Je suis désolé, c'était pas le but. Autant j'aime bien les contraintes, autant là, c'était trop. Tu vois. C'est beaucoup trop de contraintes. Tu as le droit à 17 mots et demi. Et on compte pas les articles, mais on compte les espaces. Donc bonjour aussi à ceux qui nous rejoignent, bien comme chaque jour sur la chaîne YouTube Adobe France, sur Adobe Live, que vous pouvez suivre sur behance.net/live/fr. D'ailleurs, j'ai une petite note intéressante pour ceux qui seraient concernés par ça. Vous avez sûrement remarqué que sur Behance, maintenant, quand vous allez sur le fameux behance.net/live/fr, pardon, et que vous regardez en dessous, eh bien, vous pourrez vous abonner en fait au planning des Adobe Live, et comme ça vous pourrez voir avec nous que par exemple demain, attention, je vais faire un tour de passe-passe changement d'écran, que demain donc je reçois Lulu la Nantaise à 14h pour parler illustration, que vendredi Pauline reçoit Aline du Biboost pour continuer votre développement de carrière, que vendredi à 16h, attention, il y a deux sessions vendredi, 14h et 16h, ça vous fait une bonne après-midi pour terminer la semaine. On aura un Art and Talk, toujours avec IAMAG, et cette fois-ci, ce sera Thomas Dubois qui vient nous partager son passage de l'architecture à l'illustration, et vous allez voir, on va en prendre plein les yeux. Puis si vous avez envie de revenir sur les sessions du début de la semaine, Prisca lundi, Dimension, Prisca sur du lettering fresco, moi sur Dimension le mardi matin, et Romain Dao sur XD, Adobe XD, pour l'expérience design, sur lequel on a pris le temps de faire tout un redesign de site internet, donc n'hésitez pas à jeter un œil là-dessus, et comme d'habitude, c'est disponible en replay. Donc voilà, vous avez de quoi vous activer pour toute la semaine, et tout ça, c'est dispo en dessous d'Ambiance, c'est dispo sur la chaîne YouTube Adobe France, donc vous pouvez tranquillement y aller. Nicolas, dans quelques instants, je vais partager ton écran, comme ça on pourra aller voir exactement ce qui s'y trouve. Je te laisse nous guider tranquillement parmi tout ça. Hop, dis-moi quand c'est bon et on y va. Écoutez, aujourd'hui, je vais vous parler de ma dernière vidéo de 2020. Yay. Qui s'appelle On prépare 2021, qui est une grosse vidéo que j'ai faite. On va dire sur le format fiction avec Bob, qui est deuxième personnage de la chaîne YouTube. Certains d'entre vous le connaissent déjà. Alors, est-ce que tu crois que ça ne va pas bugger si je montre la vidéo de Pierre? Ça va marcher un chouïa moins bien, mais je suis en train de réfléchir à l'endroit où j'ai cette vidéo, parce qu'effectivement, pour que j'en ai extrait des éléments, je l'ai chargé. Je l'ai chargé. Mais quand? C'est dire le nombre de choses qu'on fait à la minute et à l'heure. Prépare 2021. Et donc du coup, en fait, l'idée de cette vidéo, au départ, c'était, alors, en attendant, j'espère que tu vas la retrouver entre-temps, parce que ce sera plus simple à lire. L'idée de cette vidéo, au départ, en fait, c'était de pouvoir annoncer un petit peu ce qui allait venir en 2021 par rapport à la chaîne YouTube, à savoir les After Effects Basics qui sont en cours de diffusion. Vous pouvez déjà retrouver 4 épisodes et tous les lundis, on diffuse un épisode des After Effects Basics. Il en reste 2, donc le numéro 5 et le numéro 6, qui arrivent donc lundi prochain et le 8 mars après ça.
Et donc, en fait, donc l'idée, effectivement, c'était de pouvoir préparer un petit peu, on va dire, les abonnés à ce qui allait venir. Et en même temps, moi, de pouvoir me faire un peu plaisir, parce que c'est vrai que 2020, ça a été une année qui a été pas très motivante pour moi, d'un point de vue créa. Et je voulais du coup vraiment me faire plaisir. Je me suis dit, OK, c'est le dernier projet que je peux faire cette année. Il faut vraiment que j'en profite et que je puisse créer ce que je veux. Donc je me suis lâché et on prépare 2021. Du coup, donc la vidéo est sortie à partir de là. Très bien, très bien. J'ai retrouvé le lien de la vidéo. Elle se charge d'un Yes. côté, mais elle se charge absolument pas vite. C'est très frustrant. Tu vois, genre j'y vais tranquille et ça me prend sur cette machine-là, ça m'a pris 2 minutes. Par contre, de l'autre côté, pour une raison qui m'échappe, cette vidéo est arrivée de manière instantanée. Donc on va l'afficher dans le Finder, on va la diffuser. Voilà. Tu vois, finalement, tout arrive de manière un peu inespérée. C'est Faut moi. garder l'espoir. Il faut garder l'espoir. Je vais nous poser sur la vidéo dans un petit coin. Tac, tac, tac. Je vais vérifier. Il y avait du son dessus. Hein. Hop. Donc je vais faire attention à ce que le son de la vidéo soit pas ultra violent. Parce qu'en général, quand il y a du son sur les vidéos, le public en prend cher pour ses oreilles. C'est Les parti. casques, c'est très dommage. Et nous sommes partis pour 1 minute 42. Du coup, on reste là, on reste dessus et on te voit en train de Ok, travailler sur bon ton bah écoutez, écran. ces Tu nous, conversations tu pourraient être commentes là. ou je Oui, laisse bien juste sûr. 2021? Non, Les mais tout séquences ont à été validées. Parfait, bah écoute, tu peux Merci. exporter les séquences master, purger les caches de première et after et On va préparer les comment faire, transferts pour ouais. le client. Export de 347 séquences en cours. Temps restant 8h47 minutes. Stockage estimé 86,574 gigas sur le serveur Plexus A. Monsieur, votre chaîne YouTube est inactive depuis plusieurs mois déjà. Votre dernière vidéo date du 19 septembre. Peut-être pourriez-vous profiter de ce temps d'export pour tourner une nouvelle vidéo. Bob, il est quelle heure? Il est 2h37 à Paris. Montre-moi les notes et toutes les idées que j'ai mis de côté pour mes contenus YouTube. Ça là, c'est quoi? Il s'agit de vos notes pour les After Effects Basics. Combien d'idées sur After j'ai qui sont pas les bases? Il y a actuellement 17 idées concernant Adobe After Effects qui ont été marquées en attente. Bob, rassemble les notes et démarre un nouveau projet. Il est temps de démarrer les After Effects Basics. C'est la première fois que je filme un tuto avec quelqu'un derrière la caméra. J'ai l'impression d'être débile. Et voilà. Et donc c'était 1 minute 40. J'ai eu des gens qui ont dit, ah mais qu'est-ce qui se passe? On a le son de la vidéo chez moi, tout va bien et tout, donc tant mieux. Delphine nous confirme qu'elle aime bien cette vidéo, donc c'est plutôt une bonne chose. Fifi aussi. Ils veulent tous un Bob. Ça tombe bien, c'est bientôt l'été. Bah, en fait, à la base, tout le monde voulait un Jarvis et du coup, maintenant, tout le monde veut un. C'est chacun, chaque période a sa hype. Donc voilà, donc si jamais vous voulez revoir la vidéo, elle est disponible sur la chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu en fait de tout le process de démarrage, c'est-à-dire que depuis l'écriture jusqu'à la diffusion et de comment, par exemple, j'ai conçu mes plans par rapport au VFX que j'ai prévu de faire. Et comment, par exemple, j'ai intégré Bob et tous mes éléments en fait sur mes images. Alors du coup, je partage ton écran, ça te va? Yes. Hop. On est chez toi. OK, donc la première chose, donc là on est dans Google Keep par exemple, et en fait Keep c'est là où je prends toutes mes notes et où j'écris toutes mes vidéos. Vous voyez d'ailleurs là derrière, tout ce qui est orange là c'est donc voilà, il y a ma liste de courses aussi, mais tout ce qui est orange c'est toutes mes vidéos YouTube. Que j'ai commencé à écrire, que j'ai commencé, enfin des idées parfois qui viennent comme ça. Et on a notamment donc du coup mon petit script pour le teaser de 2021. Donc la vidéo qu'on vient de voir, donc en gros où je me mets à l'écrit vraiment ce que j'ai imaginé comme dialogue, comme action. Ça ressemble pas du tout à un scénario classique pour la
bonne et simple raison que je suis tout seul dessus et que bon, je suis quand même... je sais ce que je fais un peu dans ma tête. Tu es sûr de ça? Ouais, mais que du coup, j'ai pas besoin de le communiquer à des gens, donc j'ai pas besoin de faire un script très détaillé, etc. D'accord. Par contre, ce que j'ai fait pour pouvoir planifier, parce qu'il y a des mouvements de caméra, etc., et je pouvais pas les faire tout seul, à partir de ce script-là, j'ai fait un découpage technique qu'on voit ici. Un petit shout-out à un très bon pote, Gaël Rosé, qui m'a filé son découpage technique. Son template en fait de découpage technique qui est très bien fait avec bon ben voilà toutes les valeurs de plan, les axes, les inclinaisons, les focales d'objectifs, si c'est face, trois quarts avant, etc., le mouvement si c'est fixe, la machinerie, etc. Enfin, bon, vraiment il a fait un travail incroyable là-dessus et c'est vrai que ça m'a fait gagner beaucoup de temps sur mon... Bref, donc du coup je fais mon découpage technique où en fait je découpe tous mes plans selon l'action que je veux voir dans chaque plan. Donc là, par exemple, alors il y a des plans par rapport au découpage technique et à la vidéo finale qui ont été enlevés parce qu'après, une fois qu'on est dans le montage, on se rend compte qu'il y a des choses qui ne marchent pas tant que ça. Mais bon, en gros, l'idée, c'était de... Là, l'idée, c'était vraiment de bien fixer dans ma tête les différents plans dont j'ai besoin et de comment ils vont aussi se raccorder ensemble. Pour que mon histoire soit cohérente et que mon découpage et que enfin que les plans ensemble soient cohérents en fait et que ça raconte quelque chose et que ça mette pas le spectateur mal à l'aise. Donc voilà, on a du slider, on a du pied, on a du slider, on a beaucoup, on a quasiment une seule focale parce qu'en fait je voulais que le tournage soit quand même le plus simple possible. Du coup, le tournage, à partir de ce document-là, on a pu organiser notre tournage avec les différents axes de caméra. Donc, on a par exemple fait, je dis n'importe quoi, hein, mais on a fait par exemple tous les plans slider en premier. Ensuite, on a fait les plans au pied et après, on a fait les plans à la crosse épaule. Je dis on parce qu'en fait, c'est l'acteur qui fait la voix de Bob qui est venu tourner avec moi, donc qui a manipulé la caméra derrière. Donc, coucou Brian. Et ben encore merci beaucoup parce que sans Brian il n'y a pas de Bob. est-ce que le B de Bob, il y en a un des deux, c'est pour Brian et l'autre c'est pour Burnage? Alors non, en fait Bob c'est en hommage à mon grand-père qui nous a quitté il y a quelques années et sans qui j'aurais jamais découvert ma passion pour la vidéo. Il s'appelait Robert et donc du coup en anglais Robert c'est le diminutif c'est Bob. Et donc du coup c'est pour ça que j'ai appelé mon personnage Bob. J'ai une question de Delphine qui dit mais désolé mais c'est quoi les plans au pied? Alors ce qu'on appelle les plans, alors là effectivement on a c'est écrit au pied mais en fait c'est au trépied. Donc du coup en fait c'est juste que la caméra est sur trépied, elle est fixe et qu'elle bouge pas quoi. Ouais, confirmé par Pierre derrière, tout va bien. Voilà. Donc à partir de là, on fait le tournage, on fait plusieurs prises, etc. Bref, je ne fais pas tout le brief de comment se passe un tournage. Et on va ensuite venir dans Première, et là, on va commencer à s'amuser vraiment. Ça, c'est la fin. Alors, la première chose à faire, et c'était une nouveauté pour moi cette fois-là, c'était de la synchronisation. Alors, c'était une nouveauté plus ou moins, parce que professionnellement, je le fais tout le temps, mais... c'était la synchronisation. Sur tes propres vidéos, c'était la première fois que tu le faisais. Ouais, parce qu'en fait, pour la première fois dans mes vidéos, j'ai utilisé un enregistreur externe avec un micro, et je remercie d'ailleurs Théo. Je remercie beaucoup de gens. Ça va faire du monde sur le générique. Hein. Est-ce qu'ils sont tous dessus d'ailleurs? Est-ce qu'ils sont tous sur le générique de la... Ils sont dans la description, parce que le générique de fin, étant donné que c'est l'écran de fin YouTube, il n'y a personne qui regarde ça, donc ça ne sert à rien. Je les ai mis dans la description, comme ça au moins ils sont tout le temps. Donc du coup Théo m'a prêté son matos son, il s'est occupé aussi du mixage de la vidéo et en fait donc du coup bon ben la première chose à faire c'est de synchroniser tous les éléments entre eux. Donc en fait synchroniser deux plans, enfin synchroniser l'image et le son, c'est très simple quand votre caméra enregistre du son témoin. Et d'ailleurs petit tips, quand vous tournez une interview, une fiction, n'importe quoi, il faut que votre caméra ait du son témoin, toujours, parce que ça va vous rendre la vie beaucoup plus simple, en fait, en début de post-prod. Pourquoi? Parce que là, par exemple, je sais que ces deux éléments sont ensemble, enfin, marchent ensemble, en fait. Ils ont été tournés ensemble, en tout cas. Et
Voilà, reste avec nous. Il a pas aimé du tout que tu rallonges ce truc, hein. Ah ouais, là il genre. Là il est en train de dire no. Ça y est, on l'a trouvé. C'est bon. Alors, donc on va sélectionner les deux éléments. On garde effectivement toujours le son actif dans la vidéo, le fichier de vidéo. Et on va aller choisir, donc avec un clic droit, on va aller choisir synchroniser. Et on va, alors, il y a plusieurs options de synchronisation. Vous pouvez synchroniser à partir du début de l'élément, mais ça n'a pas d'intérêt parce que le début de la vidéo ne correspond pas au début de la prise son. Donc, on va faire audio. Canal de la piste, je saurais, voilà. Là, de toute façon, il n'y a que un, donc, voilà. Et on va laisser Première faire son truc. Et Première va ensuite replacer les deux éléments, l'un en face de l'autre, pour que tous les, enfin, et qui va synchroniser, en fait, à partir du son. Si par exemple je supprime le son de cet élément vidéo et que je réessaye de les resynchroniser, voilà, vous voyez que j'ai perdu l'option pour faire l'audio parce qu'il n'y a plus ces informations là. Donc je fais ça avec toute ma séquence, tous mes plans, tous mes rushs, etc. Ce que vous voyez à la fin, là, les derniers fichiers audio, ce sont les prises de son de la voix de Bob sur la vidéo qu'on a faite dans la foulée. Et à partir de là, ben, je vais pouvoir commencer à faire mon montage. Donc, on va changer de séquence. On va aller dans la séquence Edit. Et mon montage se passe en plusieurs temps. On a d'abord donc un premier montage où je fais mes raccords entre mes différents plans. Donc là, déjà, dès le début, vous voyez que le gros plan que j'avais prévu ici sur ma main qui est en train de cliquer, il attèche direct, c'est-à-dire que je l'ai vu, je me suis dit « oh non, c'est moche, on laisse tomber, ça ne raconte rien en fait surtout ». Je voulais que la vidéo reste quand même assez simple en termes de narration. Donc du coup, on l'a viré, je fais mes raccords et en fait, ce qui est un peu compliqué dans ce genre de vidéo, c'est de se projeter par rapport au VFX. Parce que là, du coup, là vous voyez le plan brut tel qu'il est, sans effets spéciaux, et en fait, à ce moment-là, on voit Bob qui est en train de parler. Donc du coup, sur mes premières versions de montage, le montage est assez brut, c'est-à-dire que c'est, il n'y a pas encore les bonnes durées, etc. Le premier objectif, c'est déjà de faire ses raccords et de voir que tout marche ensemble. Une fois que j'ai mes premiers raccords, je vais venir sélectionner tous les éléments, c'est ceux qu'on voit ici. Donc tout ça, c'est les voix off de Bob. Qui sont en fait les enregistrements donc qu'on a vus ici, là, c'est ceux-là. Et je viens les remettre par-dessus pour voir comment je fais mes raccords et comment je time, enfin, comment je vais, la durée que je vais laisser sur chaque élément pour pouvoir, avant de les envoyer ensuite dans After Effects pour travailler dessus. Donc, bon, là, je vous repasse un peu la même vidéo. Là, ce qui était un peu compliqué, donc c'est pareil, c'est-à-dire que là, c'est un peu du jeu d'acteur et en même temps du timing et vraiment tout dans la tête. Il faut vraiment bien préparer ça en amont parce qu'en fait, là, ici, j'ai une voix de Bob qui me parle. Et une fois qu'il a fini sa phrase, le plan doit arriver à la fin de son mouvement et moi, je fais le mien. L'avantage que j'avais, c'est que comme c'est Brian qui était là pour faire le tournage, il a pu me donner sa réplique pendant qu'on tournait. Donc, du coup, on était vraiment en mise en situation. Voilà. Troisième étape, quand on fait du montage, là, par exemple, j'ai mis un petit étalot vite fait avec Lumetri. J'ai mis mes barres noires, ce qu'on appelle le scope, parce que je voulais ce format-là pour la vidéo et à partir de là, je vais recadrer parce que, par exemple, merde, c'est pas ça. J'ai refait la même connerie. Tu l'as caché où ? Voilà. Là, par exemple, on remarque qu'il y a une petite barre noire en bas parce qu'en fait, j'ai recadré le plan pour que, par exemple, mon visage soit bien centré au milieu de mon cadre, mais aussi de mes barres noires, etc. Ouais, et puis pour avoir peut-être une continuité d'un plan à l'autre et tout. Voilà, aussi. Là, par exemple, on voit qu'il y a une grosse, grosse barre noire. Enfin, bon, bref. Donc, du coup, en fait, à partir du format scope, je vais pouvoir venir recadrer mes éléments. Alors, ce qui suit aussi, là, ce que j'ai oublié de mettre dans ma séquence là, c'est la musique, qui est relativement importante. Et ce que je fais après,
je vais faire d'abord une séquence spéciale à partir de mon montage. Cette séquence, je vais littéralement mettre que mes rushs dessus, que mes images vraiment brutes, sans étalons, sans effets, sans recadrage, sans son, rien du tout. Et en fait, à partir de cette séquence, je vais l'exporter et l'envoyer à Emric, qui s'est occupé du l'étalonnage. Emric, le bouquin qui est dans les remerciements, du coup, je les ai mis dans la description, dans le texte. Ah, yes, trop bien. Et donc, du coup, j'ai envoyé ça à Emric. Je lui ai envoyé un petit tableau de ref avec quelques images qui ont inspiré un peu l'ambiance de la vidéo. Et lui, il a commencé à travailler sur l'étalonnage pour donner le résultat de couleur qu'on a à la fin, sur le résultat final. Moi, en attendant, il fallait que je travaille sur tous les VFX. Il fallait que j'avance quand même un petit peu parce que, effectivement, il y a beaucoup de choses à faire. Et donc, du coup, la façon dont je travaille en général en VFX, c'est que je commence par dupliquer mon plan, donc les plans concernés. Donc là, par exemple, je vais maintenir la touche Alt, je glisse et j'ai un nouvel élément. Et à partir de là, je fais clic droit et remplacer par une composition dans After Effects. Je ne vais pas le sélectionner là parce que je l'ai déjà ma composition, je vais vous montrer après. Et je fais ça pour tous mes éléments et je fais de façon à ce que déjà toutes les séquences soient prêtes dans After. Je peux carrément faire mes premières après. Et travailler uniquement dans After Effects. Et ça prend, quand tu demandes de créer la séquence dans After, ça prend toujours un petit peu de temps à première pour traduire les choses, ou c'est instantané, ou ça dépend des moments, en fait De manière générale, alors ça dépend. Là, on était sur un projet qui était quand même assez conséquent, donc en fait, plus on en demande, en fait, le plus ça va prendre de temps. Bien sûr, ça dépend aussi des machines. D'où l'idée de les anticiper avant et de. Un peu comme les transcodages, peut-être. Pareil, ouais, c'est ça. On en a parlé, là, effectivement, des transcodes, mais à partir de tout ça, moi, je travaille avec des proxys toujours que je vais faire dès l'importation des rushs dans Premiere. Je crois que je les ai supprimés, là, les proxys, donc ils ne doivent pas être. Ah, si, il y a toujours mes proxys, voilà. Donc une fois dans After, ce qu'il faut savoir, c'est que moi j'ai un projet After Effects qui s'appelle Bob Assets HUD ou HUD Bob Assets, je sais plus, peu importe l'ordre, hein. Et en fait dans lequel j'ai préparé toutes les séquences, par exemple j'ai toutes les séquences avec les animations de Bob qui sont prêtes avec les effets, les trucs, enfin tout ce qu'il faut. J'ai pareil avec par exemple des textures. Là, c'est du glitch type, des grilles avec de la déformation 3D, etc. Des grilles, mais avec un format différent en triangle. Et ensuite, on a le système. Donc là, par exemple, j'ai toute une séquence avec plein d'icônes. Et certaines de ces icônes sont donc animées. Ça, par exemple, c'était les cartes qu'on voit dans la vidéo. Donc celles-là, je les ai faites juste dans ce projet-là. Je les ai faites pour l'occasion. Là, par exemple, j'ai des holders où j'avais permis de faire plusieurs visuels différents. Celui-là, il y en a quatre. Voilà, donc là, il y a celui-là. Il y a celui-là. Et j'avais aussi fait un réglage qui me permet de changer la dimension. Et l'animation reste impeccable. Donc tout ça, c'est avec les calques de forme, et les calques de forme, on vient de les voir dans les After Effects Basics 4. Je fais un peu ma pub au passage. Alors tu fais bien de faire ta pub, hein, parce que pour ceux qui se poseraient la question, en fait, t'as énormément, énormément de petits tutoriels qui ont été mis en place. D'abord, il y a quelques années, non, il y a 2 ans, 3 ans, t'avais fait les premières Pro Basics. Ouais. Et là, tu t'es lancé sur les After Effects Basics, parce que tu as évolué aussi, en termes de workflow, en termes d'usage. Non seulement j'ai évolué, mais en plus, j'ai plein d'idées de tutos, en fait, dans After. C'est ce que je dis, c'est ce que je montre dans la vidéo, c'est que j'ai plein d'idées de tutos dans After, mais je me vois pas non plus aller faire un tuto avancé, ou, enfin, un peu plus expert, entre guillemets, dans After Effects, alors que j'ai même pas expliqué les bases. C'est-à-dire qu'en fait, quelqu'un vient de me demander, ouais, mais comment on fait une animation? Du coup, maintenant, je vais pouvoir lui dire, bah, regarde les After Effects Basics, il y a tout qui est expliqué, quoi. Ouais. Donc, une fois que je suis dans mes compositions After Effects, on va prendre celle-là avec Bob, hein, parce que tout le monde adore Bob, n'est-ce pas?
Vous n'avez pas le choix, de toute façon. Il est là. Voilà, c'est ça. La première chose à faire, alors vous voyez qu'il y a quand même pas mal de choses, on va juste se mettre ça. Non, c'était ça que je voulais faire, pardon. Hop là. Donc là, Pierre, j'ai mon plan original. Pierre me pose la question d'ailleurs, est-ce que tu fais un seul gros projet ou est-ce que tu fais un projet After Effects par plan ? Non, là sur celui-là, j'ai fait un gros projet avec tous les plans. C'est vrai qu'aujourd'hui, si je devais le refaire, peut-être que je séparerais en séquences. Un projet par séquence et pas par plan, parce qu'en fait je pense que ça sert à rien. Si c'est pour se retrouver avec 25 projets After Effects, faut rester organisé, enfin d'une certaine manière, hein, tant qu'on est organisé ça marche, hein, faut faire un peu comme on préfère, hein. Moi par exemple, ici donc le 00 asset, c'est tous les éléments qui étaient préparés à l'avance. Et ensuite, j'ai comps from PR, donc tout ce qui arrive de Premiere Pro avec les compositions liées qui sont directement reconnectées dans Premiere. Ça, c'est tous les rushs que After importe automatiquement avec les compositions. Et après, j'ai tous les pré-comps qui se font au fur et à mesure. Ça, par exemple, c'est quand j'ai réimporté les éléments d'étalonnage qu'Emeric m'a envoyé. Et puis voilà. Donc du coup, première chose que j'ai fait là, par exemple sur ce plan, en fait, c'était déjà de traquer le mouvement, parce qu'en fait, ce qu'il fallait, c'est que toute l'interface de Bob, elle est à un endroit fixe, elle ne bouge pas. Enfin, elle bouge, mais au même endroit. Donc pour que l'illusion soit réussie, il fallait bien faire ça. Donc déjà, en fait, à partir d'une précomposition, ça marchait pas, donc il a fallu que je ramène le plan original qui ressemble à ça parce que il y a un effet limité. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai appliqué l'effet suivi de caméra 3D que vous pouvez retrouver dans le panneau suivi aussi avec le approche caméra. Ce suivi de caméra, en fait, il va traquer plein de points dans le plan et il va pouvoir synthétiser une caméra 3D basée sur le mouvement qu'il détecte dans le plan. Cette caméra, elle est ici. Et à partir de là, je vais sélectionner certains éléments, certains points. Par exemple, si j'ai par exemple, Bob, en fait, on le voit pas très bien ici. Je vais l'enlever. Mais là, par exemple, j'avais mis un petit scotch avec un point noir parce que je voulais qu'il me traque ça, parce que ça, en fait, c'est le centre du mur, ouais. Là où Bob est censé apparaître. Donc du coup, voilà, j'ai mon point de tracking ici, je vais faire un clic droit et je vais créer un solide. Pourquoi je crée un solide et pas un nul ? Parce qu'en fait, ça me permet de voir la taille du solide aussi. Et là, vous voyez que déjà, on le voit pas, en fait. Donc ça va pas du tout. Donc première chose, c'est que je vais l'agrandir. C'est un très gros solide. Mais c'est énorme. C'est-à-dire que là, on est sur une échelle à 32 898%. Donc, les premiers trucs à faire, en fait, c'était de voir un petit peu la distance, en fait, par rapport à la caméra, etc. Et c'est vrai que ça a été un petit peu un micmac, en fait, après, pour tout recaler comme il faut. Donc, après, je viens remettre mes éléments. Alors, on va tout masquer. Voilà. Top. Il y a plein d'éléments. Alors, il y a encore plus d'éléments que je ne pensais, pardon. Hop. Voilà. Voilà. Donc, au début, la première chose à faire, c'est de mettre ma petite grille 3D. Parce que Bob, aussi évolué soit-il, reste dépendant d'une certaine interface pour pouvoir s'afficher. Donc du coup, on a cette grille 3D qui permet de lui donner un espèce de repère en fait sur son interface. Et après, j'ai un background data flow qui est en fait un. Alors, vous allez trouver ça marrant, mais ça, ces pixels là qui bougent en fait, ça fait un peu bulle de champagne d'une certaine manière. Mais en fait, c'est un bruit fractal. D'accord. Voilà, c'est fait à partir d'un bruit fractal et en fait, j'ai juste animé en fait 2-3 trucs avec 2-3 effets, etc. Et ça crée des choses assez intéressantes.
Et à partir de là, je vais aller piocher en fait des éléments dans mes assets préparés à l'avance. Et je vais venir les placer en 3D. Donc là, par exemple, en haut ici, je suis allé mettre tout plein d'éléments pour faire en fait une espèce de poste de contrôle, en fait. Un dashboard. Là, par exemple, on va rajouter donc l'heure. Et après, j'ai fait d'autres éléments, donc contrôle CPU pour avoir, par exemple, le contrôle de Bob sur mon ordinateur, mais aussi le contrôle de son hardware de son côté. Qu'est-ce qu'on a ici? C'est autre chose. Et du coup, ça c'est tous des éléments que tu avais montés à part à l'intérieur de quoi, d'Illustrator pour caler tout ça? Alors, j'ai tout fait. Alors, j'ai rien fait dans Illustrator. Tout dans Photoshop. Pour la bonne et simple raison que je ne suis pas un expert dans Illustrator. Donc, j'ai vraiment tout designé dans After avec des calques de forme. Okay. Et en fait, parce que comme tous les éléments que j'ai créés, tout était destiné à être animé en fait. Et un problème que je rencontre en fait à chaque fois que je fais un truc dans Illustrator, déjà je mets beaucoup trop de temps à designer dans Illustrator, mais en plus quand je les réimporte dans After, ils ont des propriétés de calque de forme qui ne correspondent pas aux animations que je veux faire. D'accord. Par exemple, le CPU là, vous voyez que c'est un cercle. Si je l'avais fait dans Illustrator, j'aurais eu en fait, on peut le développer d'ailleurs, on peut aller dedans. Hop. En fait, c'est juste un cercle avec un contour et j'ai mis l'effet et j'ai mis un biseautage. Où est-ce qu'il est ? Oui, ils avaient rajouté du biseautage il n'y a pas très longtemps. Et j'ai adoré ça. Et voilà. Et en fait, c'est juste un contour. Et en fait, l'avantage là-dessus, c'est que ça me permettait de pouvoir animer un petit peu l'utilisation du CPU et avoir quelque chose d'assez organique et assez... on va dire cohérent par rapport à l'apparition de tout ça. Contrairement à si j'avais récupéré ça depuis Illustrator, en fait, chaque forme aurait été séparée et ça aurait été une forme à part entière, en fait. Donc, j'aurais pas pu utiliser le réduire les tracés comme je peux le faire là, en fait. D'accord. Alors, j'ai Pierre dans le chat qui nous dit, mais il y avait un moyen de rapprocher la caméra de suivi qui a été présenté par Atom la dernière fois pour éviter d'avoir des éléments super loin de la cam, et c'est la normalisation de l'espace 3D. Il y a un script pour ça qui fait exactement ça. Je me souviens de ce live en plus. Mais c'est vrai qu'au moment où je l'ai fait, j'y ai pas forcément pensé. T'inquiète, il n'y a pas de souci. Je vais vous remettre le lien de la session avec Atom sur ça, sur ses 10 meilleurs scripts. En fait, parce qu'il y a plein de trucs qu'il aimait bien, et on avait fait une session vraiment que sur les scripts. Donc, pour les gens qui aiment bien le motion, vous allez en prendre encore plein la vue comme d'hab. Voilà, donc après, j'ai des petits boutons sur le côté pour choisir qu'est-ce qu'on va monitorer, etc. Et après, en fait, étant donné que ce sont des éléments c'est des éléments lumineux en fait, mais l'idée, c'est de les afficher comme s'ils étaient affichés à travers une vitre, d'où la grille 3D, etc. Et en fait, j'ai redupliqué tous ces éléments-là, que vous pouvez voir en gris ici. Donc, je les ai mis un petit peu plus loin dans mon espace 3D. Je leur ai mis une opacité et à certains, j'ai mis un peu de flou, en fait. Et ça me permet, en fait, justement, de les rendre un peu moins parfaits. C'est-à-dire que, justement, quand on filme quelque chose, il y a toujours, par exemple, un petit défaut. C'est pareil quand on filme en anamorphique, il y a des défauts créés par la lentille anamorphique. Mais c'est des trucs, c'est pour ça qu'on tourne avec. C'est-à-dire que c'est des trucs assez esthétiques. Mais bon, là, donc, du coup, en fait, ça donne un peu cet effet double, un peu flou, qui correspond, on va dire, avec la réalité des choses, si je puis dire. Et ainsi de suite, en fait, avec de plus en plus d'éléments, des éléments qui sont préanimés, des éléments qui sont créés exprès pour, des éléments étalocomp. Non, ça c'est... Alors, ensuite, j'ai... parce que là, bon, un problème qu'on a, c'est que vous voyez que j'ai plein d'éléments qui dépassent, par exemple, sur l'imprimante, sur les prises électriques, sur les cadres ici. Et bah, ça casse un peu toute l'illusion. Donc, je viens remettre une nouvelle instance de mon plan que je vais utiliser. Alors, là-dessus, j'ai utilisé le roto-pinceau, d'ailleurs. On ne le voit pas là parce qu'en fait, il est sur ça.
si je n'affiche que ça. Et vous voyez qu'en fait, j'ai masqué uniquement les parties où Bob est censé, et Bob et tout le, toute l'interface hein, est censé être vue. Donc par exemple, l'imprimante, on la voit et elle revient par-dessus. Et donc du coup, on garde en fait une certaine, un certain ordre de priorité, une hiérarchie, on va dire, entre les affichages et les éléments réels. J'ai histoire de ne pas l'oublier tout à l'heure, il y a Alex Mia qui demande est-ce que le template pour découpage technique que tu as montré tout à l'heure, qui t'avait été fourni par je ne sais plus qui, dans les remerciements, et est-ce qu'il est disponible, est-ce qu'il est téléchargeable ou est-ce que c'est vraiment du perso et va falloir vous reconstruire le vôtre? Pour le coup, c'est vraiment Gaël qui l'a fait. C'est quelque chose qu'il a fait avec Google Sheets. Oui. Et en fait, c'est pas très compliqué à faire, hein. C'est vraiment la seule chose qui est un peu compliquée éventuellement, c'est les listes, et encore ça c'est pas très dur. Non, c'est, voilà, pas de souci. Le template de découpage technique, en vrai, ce qui est important, c'est de le penser par rapport à ce dont vous avez besoin, ce que vous voulez mettre dedans, et que ce soit pratique pour vous, non seulement à remplir, mais aussi à lire derrière. Ouais, de toute façon, peut-être que la reco sur ça, c'est effectivement regarder ce que Nicolas avait posté en vous prenant le replay tranquillement et regarder si là-dedans il y a des trucs qui sont cohérents pour vous, parce qu'au final c'est juste un tableur et ça va. C'est ça. C'est pratique. Okay, merci. Et donc, écoute, ainsi de suite, hein, on continue de rajouter des éléments par-ci par-là. Là, dans le coin en bas à droite, on a rajouté tous les contrôles de souris et de clavier. C'est les mêmes visuels que vous pouvez voir dans les tutos quand je vous explique comment faire quel clic on fait ou quelle touche on appuie pour faire certains raccourcis clavier, etc. Les textes, il y a plein de choses. Et on finit avec Bob qui surplombe tout le reste de la composition. On a plusieurs, en fait, pareil, on a plusieurs calques de Bob. Parce qu'en fait, il y a un moment où Bob bug un petit peu. Donc, on le voit là. Parce qu'en fait, je fais bugger un peu sa voix de temps en temps. Et je me suis dit que c'est mieux si il bug vraiment visuellement aussi, tant qu'à le faire bugger, quoi. Et ainsi de suite. Et ensuite, on finit avec Bob, en fait. Bob surplombe tout. Bob... King of the World. Et du coup, lui, il survole, c'est vraiment l'élément le plus haut de ta composition et tu arrives à t'en sortir parce qu'il y a un paquet de calques du coup dans cette compo-là. Il y a 97 calques. Ça va, bon score. Et ensuite, il y a plein de pré-comp, etc. Donc par exemple, Bob, la composition de Bob elle-même, elle en a 22. Par contre, l'avantage de Bob, c'est qu'il n'y a aucun point clé. Alors, il y en a ici, mais ça, c'est uniquement le bug. L'animation de Bob en elle-même, Bob tourne sans point clé. C'est que des expressions, c'est que des animations de calque de forme, etc. Du coup, ça rend la chose assez facile à calculer pour After, et c'est vrai que c'est quelque chose qui facilite grandement la vie. Ouais, parce que t'as que de l'aléatoire pour toi, et t'es pas obligé de caler, de rentrer d'une expression à l'autre. Exactement. Alors pour ceux qui sont intéressés, Joël m'a rappelé qu'il y avait il y a quelques temps, il y a un paquet de mois maintenant, on a reçu Mehdi Hadi dans le live, pour un live sur le HUD justement, et que ça lui faisait penser à ça, donc je vous remets le lien de la session avec Mehdi. C'est assez marrant parce que justement cette session live et celle que tu avais avec Scan, c'est les deux qui m'ont le plus inspiré sur les workflows là-dessus et les designs, etc. Ouais, carrément. Carrément. Je les avais en fond en même temps que je travaillais. C'était en 2018, pour ceux qui sont tentés. 3 heures de création de HUD. Vous allez en prendre plein les yeux aussi. Mais lui, par contre, du coup, il est fait dans Illustrator. Ouais, lui, il est fait dans d'où la question de tout à l'heure. C'était genre, tu fais pas ça dans Illustrator? Non. Ouais, c'est... Et je pourrais, hein, en plus. Hein, c'est... Je veux dire, si je me concentre un peu à... si je me motive à le faire, en fait, je pourrais le faire, mais bon. Le dernier point qu'on va voir sur cette composition, et ensuite on va regarder les autres, hein, mais bon, si les autres, c'est à peu près la même chose, c'est que tous mes calques, en fait, sont dans un environnement 3D. On a coché l'environnement 3D ici, parce qu'ils vont tous interagir par rapport au mouvement de la caméra. Et
Du coup, par exemple, on va essayer de faire un rendu, on espère que ça ne va pas prendre trop de temps. Et donc, du coup, j'ai toutes les animations qui se font. Tous les éléments en soi sont fixes, ne bougent pas, mais ils vont être reliés par rapport au mouvement de caméra et ça va nous donner l'impression qu'en fait, Bob est vraiment là, Bob est vraiment sur ce truc-là. Bon, là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup plus de choses sur ce mur d'habitude. J'ai une espèce de plaquette, j'ai des plantes, j'ai des trucs comme ça, etc. Donc, chaque fois que je tourne un truc avec Bob, en fait, je débarrasse la moitié du mur. Figure-toi que c'était quand même une des premières questions qui a été posée sur le chat par Pierre tout à l'heure. C'est est-ce que Nicolas, alors non, avant le projet, c'était est-ce que tu fais aussi des tutos pour ranger ton appartement? Mais tu fais des stories en tout cas. Des tutos, je sais pas, mais en tout cas, les stories, je les ai vues. Hein. Après, c'est vrai que ce gros meuble-là, quand je l'ai acheté, m'a permis d'avoir beaucoup, 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 beaucoup de rangements d'un coup. Et je l'ai presque conçu sur mesure. Donc, en fait, j'ai pas beaucoup de bordel dans l'appart, dans le sens où tout est facilement rangé tout de suite, quoi. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où je commence à tourner des tutos, que je sens les lampes, qu'il y a les trépieds, les trépieds des lampes, les fresnels, les gélates, tout. Enfin, là, c'est le bordel, quoi. Ça peut faire du monde, ouais, c'est clair. Ouais, ça fait... voilà. Alors cette composition, on ne va pas revenir dessus, mais en gros, c'est la même technique. Et en fait, je suis venu recoller exactement les mêmes éléments. Je les ai juste replacés parfois si nécessaire. Et tout ce que je vous ai montré là, en fait, ça va être à peu près la même chose pour chaque composition. J'ai mes éléments que j'ai déjà préparés. Je les intègre, je les mets ensemble, je refais un petit peu de... Vraiment, c'est du compositing avec des gros guillemets, hein, parce que en gros, ce que je fais, c'est que je fais une deuxième couche avec un peu de flou, un peu d'opacité, et l'illusion est parfaite. toute cette histoire d'illusion, de toute façon, il n'y a pas de... C'est ça. En vrai, le cinéma, c'est les vrais magiciens. Les magiciens. On retrouve beaucoup donc de compositions comme ça. Et après il y a cette composition là qui a été longue, vraiment longue à faire, pas parce qu'elle était compliquée, mais parce qu'en fait il fallait que j'ai tout mes... c'est exactement la même animation, le même élément, le même voilà à chaque fois. Mais ce qui a été long, ça a été d'abord de changer les textes sur chaque élément, parce qu'il y a presque 27 cartes différentes. Et il fallait, et en fait, je voulais vraiment mettre les vrais contenus de mes cartes qu'on voit en fait dans Google Keep. En fait, c'est les cartes qu'on voit dans la vidéo. Ouais. C'est toutes mes cartes orange ici sur Google Keep. En réalité, elles flottent pas. Sauf qu'elles flottent pas dans l'air. J'aimerais bien, hein, ce serait hyper drôle. Hein, Et donc, du coup, voilà. Et donc, l'idée, c'était de les afficher, etc. Donc, il a fallu timer un peu toutes les apparitions. Et après, j'ai les trois qui arrivent devant moi, que je pointe et que je fais changer de couleur parce que je les ai sélectionnés, etc. Donc, en soi, sur le process, toujours la même chose. Suivi de caméra 3D, je crée ma caméra 3D. Sauf que cette fois, j'ai envoyé tout ça dans une pré-comp parce que c'était trop lourd directement avec le plan. Et voilà à quoi ressemble la pré-comp sans le plan. Et je peux vous montrer aussi à quoi ressemble tout l'espace 3D sans la caméra. Donc là, en fait, j'ai désactivé ma caméra. Donc en fait, vous allez voir vraiment l'espace 3D tel que je l'ai construit. Vous voyez que c'est déjà un beau bordel. Une grosse boule. Hop. Et tu arrives à te repérer là-dedans. C'est bien ça. Ça n'a pas été facile. Il y a un stade, je voyais plus rien. Et en fait, voilà. Donc, du coup, je change les positions dans l'espace 3D. Je change la rotation aussi, parce qu'en fait, l'idée, c'était de donner comme l'impression qu'elles étaient autour de moi. Donc, forcément, si elles étaient toutes face, ça allait se voir un peu moins. Mais vous voyez qu'en fait, dès l'instant où on commence à un peu tourné autour, c'est pas aussi propre que ça pourrait l'être. Parce que bon, je suis pas professionnel non plus dans les VFX. Hein. Ouais, mais est-ce que, enfin, c'est comme tu le disais, hein, le cinéma, c'est de l'illusion, c'est de la magie, et c'est carrément ce que ça fait, quoi. Je veux dire,
même, enfin, j'en parle en permanence, hein, mais c'est Woodkid qui parlait à la Motion Plus Design et qui disait que il fallait être, enfin, en VFX, en motion design, en n'importe quoi, faut être des filous. Il a vraiment dit filou, c'est ça qui me faisait rire dans sa phrase, mais que en fait, justement, lui, par exemple, il y a plein de trucs qu'il faisait où en fait, il a jamais animé. Il a trouvé des trucs 3D en ligne et il a juste fait des déformations procédurales, etc. Enfin bon. Du coup, on remet la caméra. Et on retrouve notre élément. La petite particularité de ce plan-là, c'est que c'est un travelling arrière et qu'il y a un suivi de points qui change, en fait. Donc du coup, il y a une... Au début, par exemple, les cartes, quand elles apparaissent, on voit là, elles sont floues. Et au fur et à mesure qu'on s'éloigne, le point se fait à un autre endroit. Et du coup, c'est moi qui deviens flou, les cartes qui deviennent nettes. Mmh. Alors, ça va donc, sûrement répondre à la question de Joël qui nous dit « Mais comment t'as géré toutes les rotations ?» Est-ce que tu t'es mis un point, le point central de la caméra des rotations qui est ta tête ? Est-ce que alors en fait, ce que j'ai fait, c'est j'ai fait un truc un peu étrange. Hein. C'est là comme on a vu dans mon espace 3D, c'est que il y a rien qui est vraiment voilà. J'ai fait vraiment ok, ça ressemble. Ok, d'accord. On va tourner un petit peu, on va voir. Ouais, c'est bon. Et en fait, des fois, en fait, par exemple, une carte qui est comme ça, je regarde dans l'espace 3D, en fait, elle est dans l'autre sens. Ouais, mais ça rend mieux. Mais avec la perspective et avec le flou et avec l'animation, en fait, ça rend mieux comme ça. En fait. C'est comme ça que ça marche. Après, en fait, mes cartes, par exemple, si je reprends dans mes assets système Idea Cards, vous voyez par exemple là, tous ces calques-là, c'est une carte. Donc, j'ai le contour avant, le contour arrière, le titre et le texte. Et en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai un calque de forme qui me sert de mat, de cache pour le texte, histoire qu'il reste affiché à l'intérieur. Mais en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai relié tous mes calques à un seul. Donc, le contour avant. Et c'est ce contour-là que je bouge et ça fait bouger le reste de la carte. Du coup, j'ai un seul élément à bouger et tout le reste bouge derrière et c'est vrai que ça facilite aussi la vie pas mal. Ça. On était là-dedans et donc oui, c'est ça, le flou, par exemple le retour de mise au point. Dans les options de caméra, en fait, on peut venir choisir pas mal de choses. On peut modifier le zoom, on peut activer ou non la profondeur de champ. Et par exemple, ici, je vous laisse voir la différence entre oui et non. Mais non, du coup, tout est net. Tout est un peu... Oula, c'est moche, du coup. Ah bah c'est pour voilà, ça qu'il y a le flou. Et en... Ouais, bah voilà, forcément. Et après, on peut régler, par exemple, l'ouverture de notre... du diaphragme en fait de la caméra virtuelle, on peut gérer le niveau de flou, donc on peut le rendre moins intense, mais dans ce cas-là, enfin s'il est à zéro par exemple, on a quasi très peu de flou, voilà, c'est un peu l'idée. Hein. On peut aussi venir choisir la forme, parce qu'il y a plusieurs formes différentes, mais attention, vous changez la forme, vous allez changer aussi la méthode de calcul et ça va prendre plus ou moins de temps. Donc ça dépend de votre machine. Moi, je le laisse sur rectangle rapide parce que c'est rapide. ça se tient. Voilà. Et c'est le même élément, en fait, tout cet espace-là, je vais réutiliser dans la comp suivante. Parce que dans la composition suivante, j'ai encore mes cartes. Sauf qu'en fait, ça ne marchait pas du tout. Elles étaient toutes agglutinées, en fait, les unes sur les autres. Donc, j'ai dû un peu les réespacer. Et là, j'ai eu deux problèmes. On va enlever le front HUD. Le premier, c'est que mon suivi de caméra 3D était parfait pour le fond, mais il créait énormément de vibrations sur les cartes qui étaient affichées devant. Et le deuxième, c'était le placement des cartes par rapport à mon espace. Donc du coup, ce que j'ai dû faire, j'ai tout réimbriqué dans une autre composition. Donc à partir de cette composition-là, il y a Front HUD qui en fait regroupe toutes mes cartes et où j'ai remis du coup
la même caméra 3D. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai supprimé tous les points clés entre le début et la fin. Parce qu'en fait, c'est tous les points clés de la caméra qui font que tout bougeait. C'était limite saccadé et c'était très moche. Alors que là, du coup, ça me permettait d'avoir un mouvement qui était quand même assez fluide et qui me permet et qui matchait aussi et toujours hein, avec le mouvement du slider sur toute la durée du plan. Donc, je replace tous mes éléments. Et en fait, ce qui était long là aussi, c'est que au moment où je sélectionne mes trois cartes, j'ai toutes les autres cartes qui viennent s'aligner aussi. Et donc, du coup, il a fallu aussi revoir un peu à la perspective, en fait, comment toutes les cartes s'alignaient les unes avec les autres sur une seule ligne, en fait. Ouais. Donc, ça part de une image où elles sont toutes éparpillées, par exemple là, à ici, où elles sont toutes alignées, et ensuite, elles arrivent et elles passent devant la caméra et notamment devant moi. Enfin, bref, donc du coup, c'est du travail chronophage, mais qui rend pas mal et qui est assez cool. Et en fait, l'avantage aussi, c'est que ça me permet de voir aussi, parce que là, je suis toujours avec des compositions liées entre première et after. Donc du coup, dans première, je peux venir quand même voir ce que ça rend avec le reste de la vidéo. Donc, je vais faire un rendu rapide, je vais relire toute ma vidéo et on va voir le résultat. Ce que ça va me permettre aussi, c'est de voir aussi si ça match avec le sound design. D'accord, oui, parce que pour l'instant, t'es encore que sur la... À l'étape où t'es en train de mettre en place ton bob, etc., et ouais. Tous ces éléments-là, le sound design était déjà pensé ou pas encore, ou c'était encore balbutiant sur ça? Le sound design, je le fais en général à la fin. Mmh. Tout simplement parce qu'en fait, je crée mes éléments et je peux créer... Et j'ai plein de bibliothèques de sons que j'ai à ma disposition et qui me permettent en fait d'ajouter ce que je veux. Alors que si je faisais le sound design d'abord, il faudrait que j'imagine d'abord ce qu'il y a à l'image, je fais le sound design et ensuite il faudrait que je fasse mon animation en fonction du son, ce qui n'est pas évident à faire, surtout dans After, parce que bon, After, quand tu fais de la relecture, je ne sais pas si vous avez écouté After qui fait une prévisualisation son, image par image. Il n'y a rien de plus effrayant. Très agréable. C'est Steve Austin, l'homme qui valait 3 milliards. Avec sa décomposition voilà. De son. Joël nous dit, c'est juste que tu peux gérer ton niveau de flou quand tu joues avec, c'est intuitif, pas besoin d'un bac S pour faire marcher tout ça. Ah oui, parce qu'il y a des gens qui sont déjà partis chercher des Doliprane et des verres d'eau pour le cours de maths et le cours de perspective et de premier plan. Ouais. J'explique beaucoup parce qu'en fait, c'est vrai que des fois, j'ai des commentaires sur la chaîne YouTube où en fait, c'est ce qui m'a inspiré de faire les séries basiques en fait. Chaque fois que je faisais des tutos sur quelque chose, j'avais des questions basiques, mais mais comment je trouve l'outil pour faire ça? Et du coup, tu t'es dit que tu allais carrément décomposer, faire d'abord le basique, et puis après envoyer... Mais du coup, c'est vrai qu'en fait, même aujourd'hui, je ne sais pas à quel point vous gérez After ou Premiere, voilà. Donc du coup, c'est vrai que je détaille toujours beaucoup mes explications. Mais si je détaille trop, vous me le dites. Non, mais carrément pas. De toute façon, là, je vais vous remettre le lien des After Effects Basics, parce que tu as fait toute une playlist. Alors je sais, tu l'as dit en intro, mais là, on est 50 minutes après l'intro, donc on peut se permettre d'en reparler. Là, toutes les semaines, tu sors un épisode des After Effects Basics. C'est ça, tous les lundis après-midi. Mmh. Et il nous reste deux épisodes. Donc, du coup, l'épisode 5 et 6. L'épisode 5, donc composition et pré-composition. Et l'épisode 6, on verra tout ce qui est plugin, extension et les expressions. Très bien. Mais comme ça, ils auront exactement le bon lien et ils pourront retrouver tout ça. Ce sera quand même très pratique. Mais rassure-toi, Pierre nous dit c'est très bien, change rien, Nicolas. Nickel. Donc du coup, on finit un petit peu avec After Effects. En fait, je prépare toutes mes animations à partir de mes plans initiaux de base. Et après, Emeric va m'envoyer les talos. Et je vais réintégrer les talos dans les compositions. Et je vais corriger un petit peu mes couleurs en fonction des couleurs qu'il y a désormais sur l'image. Et pour des raisons de simplicité et de fluidité ensuite dans Première, j'exporte toutes mes comps After Effects.
Parce que à partir d'un certain stade, je sais que je suis content avec ce que ça donne. Je ne vais pas revenir dessus. Si vraiment je reviens dessus, c'est vraiment parce que c'est énorme ou qu'il y a plein de détails, etc. Et voilà. Donc, et aussi parce que il y a certains effets qui se calculent pas de la même manière quand on les exporte directement avec les vidéos ou alors quand on les exporte en alpha, etc. Il y a Joël qui troll et qui dit, mais et les essential properties du coup? Ah non, pas sur du VFX, non. Alors j'utilise beaucoup les objets graphiques essentiels, je les utilise même avec des clients, mais c'est vrai que je les utilise absolument pas en VFX, c'est pas du tout adapté pour ça. Mais effectivement, comme tu dis, il troll, hein, mais enfin, je préfère le préciser. Et donc on revient ici, en fait, donc ça c'est la toute dernière séquence. La séquence finale, c'est le mastering, où en fait je fais tout mon assemblage. Donc en fait en bas, donc ici, on a des plans qui sont masqués, parce que la première ligne, c'est le plan brut. La deuxième ligne, c'est mon pré-étalon. Mmh. Ici, on a tout l'export que Emmerich m'a envoyé avec tout son étalonnage. Pour vous faire un exemple, hein, par exemple, on va faire là, voilà, sans étalot, avec étalot. Et par-dessus, on va retrouver les exports de mes compositions after, Qui ont été faites à partir des exports d'étalonnage. Voilà. Parfois, je refais un peu deux, trois petites touches par-ci, par-là, parce que justement, je ne sais pas ce qui se passe. Voilà, là, il fallait que je remonte un peu le plan. Et voilà. Le plus gros du travail ici maintenant, ça va être de faire tout ce qui est sound design. Et vous pouvez voir qu'en fait, toutes mes pistes de son sont assez complètes. Déjà parce que la musique, quand je vais la chercher, je vais chercher... Alors, sur Epidemic, en fait, on a la possibilité d'avoir les différentes nappes de la musique. Il y a quatre pistes, en fait, avec, par exemple, une piste pour les percussions, une piste pour les basses, une piste pour les mélodies et une piste pour les instruments. Et moi, par exemple, il n'y avait que deux... éléments, moi je voulais juste la mélodie par exemple et les basses parce que tout le reste était trop présent et je voulais quand même qu'on se concentre sur ce que je dise et sur ce qui se passe dans la vidéo. Juste en dessous on a donc sur A7 en fait ça c'est la voix de Bob mais après qu'elle ait été traitée dans Audition je vais envoyer en fait les voix de Brian. Dans Audition, je vais appliquer toute une série d'effets et ça va me donner la voix de Bob que je viens réappliquer ici et sur lesquels je vais remettre un peu des niveaux, etc. Ensuite, on a tout ce qui est effets sonores, à savoir, bon là par exemple, c'est des effets sonores de fond ou par exemple, c'est juste le son du en background, en fait, qu'on entend, genre, c'est Bob et tous les programmes qui réfléchissent en permanence et il y a toujours quelque chose qui se passe, etc. Toujours des calculs, en fait. Et après, si on continue de développer, hop, là, en dessous, on a encore tout ce qui est effet sonore à chaque fois qu'il se passe quelque chose. Donc, les apparitions... Des souches régulièrement à chaque fois qu'il y a un truc qui glisse, à chaque fois que... Voilà, exactement. Là, par exemple, Bob qui glisse, on a deux sons dessus. Pareil, ici, on a des petits... c'est des petits bips, en fait. Il faut tic-tic-tic-tic-tic-tic à chaque fois qu'il y a des trucs qui s'affichent, qui s'écrivent, notamment. Là, par exemple, c'est des bips-bips qui correspondent, en fait, aux jours qui apparaissent au fur et à mesure. Et le jour qui se sélectionne, qui est en fait la date de ma dernière diffusion YouTube avant cette vidéo-là. Bien joué. Et ainsi de suite. Jusqu'à la fin. Là, par exemple, on voit qu'il y en a pas mal. Et là, il n'y a pas autant de SFX qu'il y a de cartes qui s'affichent. Mais si j'en faisais autant, en fait, c'est ça aussi. C'est-à-dire qu'il faut aussi écouter et voir ce qui marche ou pas. Parce que si j'avais fait autant de trucs à l'audio que de cartes qui s'affichent, on n'entendrait rien, en fait. Ce serait juste un gros fouillard, etc. Oui, c'est ça. L'idée aussi du réal et du monteur,
c'est quand même de faire la sélection, de faire le choix du point de focus de l'utilisateur. C'est ça, parce qu'en fait, voilà, par exemple, là, on en voit, il y en a quelques-unes qui apparaissent un peu sur les côtés, etc. Mais je ne les ai pas bruitées, parce qu'en fait, elles n'allaient rien apporter par rapport à l'histoire et elles allaient juste déranger, en fait. Après, un truc qui était important, c'était d'avoir une certaine cohérence entre tous les effets sonores, parce que, par exemple, toutes les cartes s'affichent avec le même bruit. Mais par exemple, la sélection des cartes, c'est un autre bruit. C'est un truc qui vraiment sélectionne. Enfin, on comprend en fait tout de suite ce qui se passe, même si on n'écoute que le son. En fait, c'était ça l'idée. Ouais, c'est en fait, tu fais vraiment du design sonore comme on trouve dans l'automobile, dans l'industrie, où on essaye de reproduire un son pour une action, pour habituer l'utilisateur. Quoi. Voilà. Et ensuite, la dernière partie, bah, c'est d'envoyer tout ça au mix. Donc j'ai repréparé une autre séquence, peut-être dans mastering, mais non. Et tout ça, non. Ce sera pour Théo Albaric, pour le son et le mixage. Ce sera pour Théo, exactement. T'as vu ? Non, mais je suis. Hein. Alors c'est facile, vous cherchez des liens, ils sont dans les commentaires du Beyond ou du YouTube, selon là où vous nous regardez. Je vous ai mis au milieu des liens le lien du Discord avec tous les liens que j'ai postés au fur et à mesure, ça va être pratique, parce que dans les commentaires, il y a quand même Fifi qui nous dit « Mais moi, je veux aussi un Emric chez moi, en plus de Boyd, parce que ça fait un super taf en étalo et tout. » Ah ouais, bah c'était très cool de travailler avec eux parce que déjà, en fait, ils étaient vraiment motivés de le faire. C'est toujours agréable de travailler avec des gens motivés, déjà. Et ensuite, j'ai pas eu énormément de choses non plus à refaire, faire, entre guillemets, parce qu'en fait, il a très bien compris la vibe et non, c'était vraiment très agréable. Et là, donc, du coup, on finit juste, mais bon, ces deux dernières pistes ici, en fait, c'est ce qui revient du mix. Donc, en fait, j'ai envoyé toute ma séquence avec tous les bruitages, toutes les voix, toute la musique, etc. Et je l'ai envoyé à Théo. Théo a ajusté, en fait, tous les niveaux audio. Il a fait en sorte que les effets soient pas plus forts que la voix et que la musique soit pas trop faible non plus, mais qu'on puisse toujours entendre clairement, etc. Et en fait, c'est tout ça, le travail derrière le mix, hein. C'est-à-dire, on peut faire du pré-mix dans Premiere, mais d'un point de vue professionnel, on peut pas se contenter de ça. C'est-à-dire qu'on sentira toujours la différence entre un mix et un pré-mix. C'est ça, ouais. Toi, tu fais ta première version où tu dis que peut-être ça va, puis tu passes à un ingé son, il te refait écouter après, tu dis, ah ben c'est pour ça qu'il y a un ingé son dessus. Bah, c'est de la même façon qu'en fait, tu fais un pré-étalo pour éventuellement, je sais plus, c'est qui, c'est David Lynch qui utilise Lumetri pour, Fincher? Fincher, c'est chez Fincher, en fait, qu'il y a du premier after. Ouais. Et qui utilise en fait Lumetri pour faire un pré-étalo sur ses plans, pour envoyer à son étalonneur, et ensuite, ça lui donne une idée de vers quoi se diriger d'un point de vue couleur. C'est ça. Puis ça lui permet aussi de regarder ses pré-rendus de films avec une gueule qui correspond à peu près à ce qu'il va avoir à la fin. Exactement. Et donner plus clairement en fait une idée que de ce qu'il a en tête. Et donc du coup, c'est la même idée avec le prémisse. Puisque tu parles d'étalo, tout ça, il y a Joël qui nous demande, est-ce que tu as tout éclairé ou est-ce que tu avais un chef-op ? Parce que la lumière est très jolie, elle aide bien à l'intégration. Ah bah merci. Bah, non, en fait justement, j'ai fait... Alors, pour la petite histoire, hein, j'ai fait un BTS audiovisuel et option d'image. Donc, de formation, je suis chef-op. Donc, en fait, c'est moi qui ai fait les lumières. Et l'avantage, justement, c'est que comme je savais exactement ce que j'avais... Parce qu'en fait, tous les éléments en fait qu'on voit dans la vidéo, ils étaient déjà prêts. Ouais. Gearbox était déjà animé, les cartes, je savais déjà dans quelle couleur elles allaient être, etc. Et en fait, je savais du coup exactement quelle couleur de lumière, quelle lumière, et quelle, etc. Il fallait que je fasse sur mon visage ou derrière pour pouvoir rendre le tout réaliste. Et pour la petite histoire, d'ailleurs, le rouge qui est sur mon visage, c'est pas un projecteur, c'est ma lampe de salon, qui est une lampe Philips Hue. Tu peux changer la lumière directement. Et j'ai changé la lumière en rouge. Et en fait, donc du coup, c'est uniquement ça le reflet en fait sur mon visage. Ouais. Ouais. Et tout, c'est génial pour les tournages. Vraiment, je. Non mais assume, t'as plein de lumières de toutes les couleurs autour de chez toi, autour de ton écran et tout ça. Ça doit pas être toujours facile d'ailleurs pour bosser sur d'autres projets que tes projets à toi. Les ambiances violets, bleus, rouges, etc. Moi je me rappelle des labos photos où tout le monde était en gris. Gris, gris.
Hein? Ouais, tu sais, dans les labos où tu faisais du développement, si t'étais habillé autrement qu'en gris, on te regardait bizarre parce que t'allais foirer la retouche, oui. La colorimétrie. Ah. Ah oui, c'était une époque, ça. J'ai jamais connu les labos photo, je suis désolé. Photo et photogravure pour les. Et après, fin de la vidéo, du coup, c'est un écran de fin que j'ai créé dans After, où en fait, un premier shout-out pour Brian avec sa voix, et ensuite le côté avec mes réseaux sociaux, etc. Et ensuite, un petit payoff. Les petits making-of, ça, il y en a quasiment tout le temps à la fin. Je ne les ai pas fait dans les After Effects Basics, mais les After Effects Basics, on vous prépare une petite surprise pour la fin. Donc, voilà. Ouais, pas de spoil, il faudra regarder toute la série d'abord pour bien comprendre. Sinon, c'est pas drôle. Donc voilà, et à partir de là, en fait, à partir de cette séquence assemblage où tout est dessus, je peux exporter ma vidéo finale. Et qui est en fait le résultat que vous voyez aujourd'hui sur YouTube. Cool. Je te propose un petit truc. Je nous remets dans un coin, je remets la vidéo et tu vas la jouer en même temps, comme ça tu verras ce qui se passe à l'écran. Et, ouais. Et du coup, ça te permettra de commenter à nouveau ce qui va dessus. Mais je mets pas le son de la vidéo, mais je garde nos voix à nous. Yes. Parce que c'était rigolo, mais hop, attention, t'es prêt? T'es prêt à lancer play pour toi? Soit sur la vidéo, j'arrive. Et je suis prêt. C'est parti. Comme ça, tu sauras exactement et tu pourras nous dire donc là les petits éléments qu'on voit là. Alors, ce qui est marrant, c'est que justement à ce moment-là, ce qu'on voit sur mon écran d'ordi, à ce moment-là, je travaillais sur une campagne qu'on faisait pour TikTok. Mmh. Et pour la petite histoire, on avait 40 vidéos à faire. Dans trois langues différentes, et donc du coup on avait 360 exports à sortir, etc. Donc c'est pour ça qu'en fait à ce moment-là je suis vraiment fatigué, mais en fait c'était vraiment mon état d'esprit à la fin 2020. Alors du coup ouais, là on revoit bien tous les HUD que t'as mis en place. Voilà, et en fait, alors, il y a des petits détails comme j'ai fait des petits ronds en fait sur mes doigts au moment où je sélectionne l'élément et que je le fais glisser en fait. Et ces petits ronds, on les revoit à la fin quand je déploie en fait l'interface d'étranger. Combien d'idées sur After Effects? C'est marrant parce que c'est vrai que les premiers trucs en 3D pour moi c'était les navigations dans un fichier Unix de Jurassic Park. Et entre temps il y a eu Minority Report et ça se ressent sur tout le monde, sur toutes ces créations là. C'est vrai qu'il y avait une bonne inspo. Minority Report, ouais. Cool. Et là, générique. Voilà. Et donc, du coup, là, le générique, par exemple, tous les éléments se calent parfaitement parce qu'en fait, j'ai une vidéo d'ailleurs sur le sujet hein, aussi, qui date d'il y a un moment, hein, mais où en fait, j'ai un fichier Photoshop sur lequel j'ai exactement les bonnes dimensions en fait, des éléments YouTube. Mmh. Et je peux concevoir en fait mon écran de fin et animer ça en fonction de comment les éléments vont être placés. Ouais. Derrière, du coup, mes éléments, je les place sur YouTube et ça se fait assez instinctivement. Carrément. Pierre nous dit c'est ouf parce que je pensais vraiment que Bob était animé par la voix. Les expressions fonctionnent très bien. Alors oui, Bob est aussi animé par la voix parce que il y a. Si je vais là-dedans, hop, je reprends sur mon écran. Vas-y, on y est. J'ai deux audio spectrum, appelés comme ça, qui sont en fait reliés à un fichier. Alors là, il n'y en a pas, mais en temps normal, ils sont reliés à une piste audio qui est dans cette composition. D'accord. Donc du coup, j'ai pas des voix là. Vas-y, on va faire ça. Par exemple, là, donc voix 1. Je vais remettre mes machines. Tu sais qu'on va rien avoir sur l'audio parce que Zoom va nous faire un silence sur ton audio. C'est juste pour montrer. Okay. Voilà. Et en fait, on voit les spectres audio en fait, du centre de Bob qui s'anime en fonction de ta voix témoin ou de la voix de témoin de Brian. C'est vraiment la prise de son de Brian. C'est vraiment son timbre de voix aussi, etc.
Mais c'est la seule chose qui est contrôlée par la boîte. Tout le reste, en fait, est, par exemple, si je prends celui-là, c'est pas un truc animé, il faut que je prenne des calculs. Le data flow, voilà. Par exemple, ça, c'est entièrement animé par le calque de forme. C'est même pas des expressions. C'est-à-dire que là, si je tape EE, il y a une seule expression et c'est une expression de déplacement. Ouais. C'est-à-dire que, en fait, dans les calques de forme, il y a un truc qui est génial, c'est les transformations en tremblement. Si je l'enlève, vous voyez qu'il se passe rien. Et en fait, on peut définir ça et avoir, par exemple, donc transformer. Donc, ce que j'ai fait ici, c'était la rotation et avoir le nombre de tremblements par seconde. Donc là, il y en a très peu, mais si j'accélère, vous allez voir que voilà, ça devient n'importe quoi. Et mais si par exemple je fais un déplacement de point d'ancrage, vous voyez que du coup ici mes formes commencent à se déplacer en fait dans l'espace de manière assez aléatoire parce qu'en fait il y a deux tracés différents qui sont pas sur les tracés en fait vont interagir séparément. La transformation en tremblement interagit sur les différents éléments de votre calque de forme séparément. Voilà. Et en fait, c'est la même chose pour quasiment tous les calques qui sont dans les compositions de Bob. Et après, alors Bob, ensuite, pareil, hein, il est en 3D, c'est-à-dire que là, si j'active la caméra, vous le voyez de côté, vous voyez qu'en fait, il est sur plusieurs niveaux. Tu as plusieurs épaisseurs qui te permettent de vraiment profiter derrière du relief. Et de. Exactement. Ouais. Et c'est ce qui fait aussi que... Il va être un peu plus vivant une fois qu'on le met dans les environnements comme le meuble là. Dans ton meuble ou dans ton casque de Iron Man. Voilà, c'est ça. Ah, mais un jour il sera dans un casque, je vais mettre un. Voilà. Prochaine étape. Il est là-bas, mais j'ai un casque VR justement où je voulais faire un. Enfin, non, je vous spoil pas parce que c'est la grosse fiction qui suit en fait. C'est pas grave, tout va bien, pas besoin de spoiler. En fait, j'ai plein d'idées donc je vous dis pas. Non, mais il faudra regarder, il faut vous abonner à la chaîne de Nicolas pour pouvoir voir tout le reste au fur et à mesure. Voilà. Fifi nous dit ça oblige quand même à bien resynchro avec le son en post-prod. Alors, c'est pour ça que justement. Ah, ben voilà. Et ben voilà. Désolé. On va envoyer le rapport. Parce que voilà, il faut toujours envoyer le rapport. Merci. Bon élève. Parce que s'ils ne savent pas, hein, ils ne peuvent pas corriger ce qu'ils ne savent pas. Hein. C'est tellement beau de t'entendre dire. Son, en fait, hein, quand je fais mon montage, je cale mon son, les voix de Bob d'abord. Mmh. Parce que là, par exemple, elles sont ici. Et après, quand j'envoie mes plans en étalot, je les envoie avec les pistes son. Ouais. Et d'ailleurs, là, vous voyez qu'en fait, j'ai coupé ici pour avoir le bout de son ici du précédent, de façon à ce que je puisse resynchroniser les deux bien à l'image près, en fait. Et c'est vrai qu'à mon niveau, ça marche comme ça, professionnellement, avec... on va dire au cinéma, etc. Il y a plein d'autres éléments qui rentrent en compte, mais j'envoie en VFX uniquement quand je sais que mon montage est verrouillé et qu'il va plus rebouger derrière. Parce qu'après, je me retrouve à faire des animations sur 2-3 secondes qui me prennent, par exemple. Parce que là, juste les VFX de ça, de cette vidéo-là, j'en ai eu pour une bonne semaine. Donc, effectivement, peu de temps, enfin la moindre seconde, minute, heure que je peux m'économiser, je le fais quoi. Carrément. Alors Pierre nous dit « Oh, mais quel teasing !» Bah oui, donc là, vous avez compris, hein, c'est sur la chaîne YouTube, t'en parleras sûrement sur l'Instagram ou sur le Twitter, vous avez les liens de tout ça, donc n'hésitez pas. Et Joël nous dit « J'ai déjà entendu ça quelque part, sur le « un bug non renvoyé ne sera jamais résolu ». Je confirme, hein, ça me fait plaisir de voir que ça...
que ça prend, tu vois, que la chaîne sert au moins à ce truc-là, c'est que les gens sont conscients que Adobe Video at uservoice.com, c'est ça sert pour de vrai, et aussi en général que le fait que dans votre Creative Cloud vous ayez accès aux versions bêta pour tester des trucs rigolos, vous le savez aussi. Donc normalement, on commence à parler de tout ça au fur et à mesure, et ça prend. Ça prend beaucoup. Mais bon, ensuite. Ça prend du temps aussi. Hein, c'est un organisme qui est en perpétuelle évolution. C'est un peu comme Bob. C'est génial, c'est-à-dire qu'en fait, je ne sais plus quand est-ce qu'on avait eu ça, mais justement, l'histoire du panneau Lumetri avec Fincher, et comment aujourd'hui Lumetri est devenu, je n'ai pas envie de dire une institution, mais quelque chose qui permet quand même d'aller beaucoup plus loin dans Premiere Pro que. Avant, en fait, les objets graphiques essentiels, au début, on trouvait ça génial parce que ça nous permettait de faire des trucs super cool entre Premiere et After, autre que les Dynamic Link, parce que je connais par exemple beaucoup de monteurs qui ont besoin de motion design, mais qui sont absolument pas du tout fans de After Effects, et du coup, de pouvoir leur envoyer des éléments de motion design, etc., sans qu'ils aient besoin d'aller tripatouiller dans After pour changer du texte ou des conneries comme ça, ça a beaucoup fait changer les choses. Mais aujourd'hui, il y a tellement plus de choses qu'avant. Là, on arrive à un moment où on peut changer carrément des images dans les objets graphiques essentiels. Et c'est juste génial parce qu'en fait, à chaque mise à jour, les possibilités sont encore plus grandes. Et c'est assez cool, quoi. C'est ça. On peut parler longtemps là-dessus. On peut tout à fait. Fifi nous dit, mais moi j'envoie toujours les rapports, mais j'ai toujours peur qu'un jour Adobe me réponde, ouais, c'est trop le bordel dans tes fichiers, ça s'explique. Alors tu sais quoi, c'est ce qu'ils m'ont dit lundi dernier. Sérieux? Très bon. Parce que, alors, bah, pour la petite histoire, pour ceux qui suivent la chaîne, je vous ai un peu raconté rapidement mes galères d'ordi. Ceux qui sont sur le Discord aussi sont au courant. J'ai eu des gros soucis avec Premiere, qui finalement en fait n'étaient pas liés à mon ordinateur, mais qui étaient liés au pilote graphique Nvidia. Et en fait, quand j'ai été avec le support Adobe, deux heures hein, avec le support Adobe, hein, ils ont pris la main sur leur ordinateur. Ils ont pris le temps de chercher et tout. Quoi. Voilà. Et en fait, elle m'a dit, non mais en fait, il y a un problème de communication entre Premiere et Windows. C'était relativement vrai, parce qu'à ce moment-là, mon Windows avait cette bizarrerie de s'être installé sur deux disques différents et sans un des deux disques, il ne démarrait pas. Donc du coup, ce jour-là, j'ai décidé de réinstaller Windows comme il fallait. J'y ai passé genre 12 heures. Mais bon, j'ai reformaté trois fois tous les disques. Mais tout marche. Et en fait, c'est pour ça que ça m'avait fait rager. Mais vraiment, limite rage quit. Hein. Quand j'ai réouvert Premiere et que ça replantait pareil. Et c'est là que j'ai vu qu'il y avait un truc avec Nvidia, le pilote studio. Le fameux pilote gaming versus le pilote travail. Voilà. Et t'as pas pensé à arrêter de jouer et à travailler, point? Mais parce que jusqu'à présent, j'avais que le pilote gaming. Il n'existait pas, il est très récent le pilote studio en fait. D'accord. C'est juste que maintenant, si tu utilises le pilote gaming pour utiliser Premiere, c'est mort. Il faut utiliser le pilote studio, sinon Premiere, il ne voudra pas démarrer. Hein. D'accord. Donc en tout cas, si ça vous fait ça, vous testez ça. Et si ça ne le fait pas, vous revenez en parler à Nicolas dans le Discord, il sera ravi. Voilà. J'ai des éléments de réponse en tout cas. Super, super. Eh bien, écoute, merci beaucoup pour tout ça. C'était vraiment cool. Est-ce que tu veux encore nous montrer deux, trois trucs? Est-ce que le public a encore des questions? On peut se faire un peu de questions. Là. On a un peu de temps pour ça. Et moi, honnêtement, je vais montrer un peu tout ce que je voulais vous montrer là-dessus. Hein. Donc, Pierre nous dit, on a tout suivi sur Insta. Belle performance, Nicolas, un vrai pro. Ouais, non, mais en plus, je commence à devenir support informatique. Donc, tu vois, genre là, maintenant, je fais tout là. C'est bien, c'est bien. C'est le couteau suisse. C'est le principe du Creative Cloud, en fait. T'as accès à tous les outils. Maintenant, tu peux te débrouiller des trucs dans tous les outils. Ouais, mais c'est Creative Cloud et sur PC. C'est-à-dire que, en fait, j'ai des soucis que certaines personnes sur Mac n'ont pas. Mais en même temps, je préfère ça et comprendre comment ça marche que... moi, je botte. Tu vois,
Des gens qui ont encore des questions, là, je vois pas trop le... Non, non, pour le coup, pour l'instant, ça a l'air d'aller. Joël nous dit qu'il a encore un vieux rapport à envoyer au sujet de Lumetri dans After, mais qu'il va aller checker que ce soit bien, soit déjà reporté ou pas encore. Et parce que effectivement, oui, s'il a besoin, si vous avez des questions sur ça, sur du user voice vidéo, faut pas hésiter, justement, parce que voilà, vos bugs, vos problèmes, vos problématiques sont rarement exactement les mêmes que d'autres. Et si par contre, vous êtes hyper nombreux à avoir tous exactement le même bug au lancement de Premiere, n'hésitez pas à regarder si c'est pas déjà corrigé. Voilà. C'est ouais. Hyper important, et comme je le dis aussi super souvent, pour les gens qui jouent, comme moi, avec les bêtas des applications, elles sont dans le Creative Cloud, et vous pouvez lancer, vous pouvez installer les bêtas en parallèle de vos applications normales, et tous les jours, il y a des mises à jour. Mais genre, chaque jour, chaque matin, enfin, pas le matin, mais chaque 16h, quand les US se réveillent, il y a une mise à jour des 6 applications vidéo, avec des petits bugs qui sont corrigés, avec des forks différents, etc. Donc, alors oui, ça fait du download, mais par contre, si vous avez un problème à résoudre, en général, il y a des chances que ça avance là-dedans. Et voilà, bah écoutez, si plus personne n'a de questions, on a fait le tour hein, pour aujourd'hui. Bah ouais, c'est plutôt pas mal. Merci voilà. Donc encore à toi, merci à tout le public qui a été épique sur tout le chat, parce que vous avez parlé de plein de trucs et vous avez posé des questions, répondu à des questions. Kirsty, Jamila, Philippe, Virginie, Franck, Delphine, Yves, Greg, Fifi, etc., etc. Vous étiez tous là pendant tout le chat du côté Beyond. Pierre nous dit, si ta chaîne marche encore mieux, t'as pas peur d'avoir du mal à concilier boulot pro et production perso? Alors, c'est effectivement ma question de toujours. Et jusqu'à présent, c'est vrai que je suis pas quelqu'un de très régulier sur la chaîne YouTube parce que le boulot. C'est ça. Maintenant, je suis en train de découvrir, je suis en train de réussir à garder une certaine motivation constante à tourner mes sujets, à les préparer à l'avance, etc. Ce qui me prend beaucoup moins de temps en tournage et en montage. Et puis, en fait, il faut juste s'organiser, en fait. C'est-à-dire que quand mes sujets sont vraiment préparés à l'avance, je mets à peu près entre 30 minutes et une heure pour, on va dire, tourner une vidéo. Ouais. Voire moins, hein, mais sinon voilà. Après, c'est vrai que ça dépend en fait de la charge de travail, hein, c'est toujours pareil. Mais justement, j'aime bien cette espèce de balance un peu qui change, hein, forcément, parce que ce que je découvre en fait dans ma vie professionnelle, ou dans mes projets perso, c'est ce qui me permet de pouvoir en parler sur YouTube et de pouvoir vous donner des nouvelles astuces et de pouvoir découvrir les derniers trucs, etc. Donc, ouais. Carrément. Voilà. Tout à fait, tout à fait. Ben écoute, tout le monde est en train de nous dire, de te dire merci. Tout le monde a trouvé que c'était une session top. Hein, et merci beaucoup, Nicolas, me dit-on à droite, à gauche. Donc, vous savez, c'est le moment où je vais repasser le petit calendrier pour vous dire que aujourd'hui, c'était Nicolas Burnage, c'était juste au-dessus de ma tête. Au-dessus de la sienne, on voit Lulu la Nantaise. Demain, 14h, illustration, toujours beyond.net/live/fr. Vendredi, Aline avec Pauline pour The B-Boost et la partie développement pro-créatif. Et Thomas Dubois sur Photoshop, pardon, pour l'illustration. Ce sera notre Art and Talk du vendredi. Ce sera vendredi à 16h, histoire que vous terminiez la semaine de façon la plus créative possible. Voilà. Et ben merci encore à toi, Nicolas. Merci à tous dans le chat. Ouais. Et puis, rendez-vous à demain. Même heure, même endroit. Bye bye. Salut.